Alors attention, c'est l'épisode 10 de Classics & Co. Ouais, c'est moi. Oh. Bonjour, alors bonjour, c'est moi. Président des Français. Président des Français, c'est alors, non, lui, c'est mon dernier ministre, pur bon. Et elle, c'est mon avant-dernier ministre, petit prince. Alors, avant-dernier ministre, si vous me permettez de voler. Et bah du coup, on va aller faire de l'Upper Void. Sur Sama Games, bien sûr. De toute façon, il n'y a pas d'Upper Void autre part que sur Sama Games. Avec Earl. Attends, on va le suivre. Est-ce que tu... T'es où? Merde, ça c'est le produit Upper Void. Ça c'est Earl M44, c'est le produit Upper Void, comme vous pouvez le voir. Le classement a sauté. Moi je m'en fous, hein. C'est magnifique. Du coup, on va se faire des Upper Void et on va tenter de vous montrer toutes les maps avec quelques petites techniques d'Upper Void. Alors du coup, on va commencer par Upper Void. Que Euromain aura appris de la vidéo Upper Void d'Aurélien Sama. Et voilà. C'est ça. Moi, parce qu'il n'a aucune personnalité, il copie sur tout le monde. Donc c'est tout à fait Euromain, mon dernier ministre. Oh là là, sérieusement. Alors, Upper Void. Le principe, Colasix, tu expliques? Le principe, c'est comme un TNT run, sauf que les blocs se détruisent pas tout de suite, ils ont des petites étapes. Ouais. Et pour faire tomber les autres points un petit peu plus vite, on possède des grenades, des grappins pour remonter quand on tombe, et un bâton que toi t'as. Quelqu'un qui t'a appelé pour moi? Ah, je ne sais pas. Bref, en fait, réussir à me rattraper. Hein. On possède aussi un bâton qu'on peut faire évoluer. Par exemple, moi j'ai un os. Et moi j'ai pas de chance. Et en fait, pour le bâton, pour faire évoluer le bâton, pour avoir plus de grenades et plus de grappins, tout ça c'est dans la boutique. On va vous montrer juste en sortant de la partie. Voilà. Donc trois items, en slow 1, vous avez un bâton qui vous permet de tirer des TNT. Alors pour le bâton normal, c'est toutes les 2 secondes. 2 secondes sur ça, oui. Colasix avec son os, c'est toutes les 1 seconde 7. Ouais, et avec le bâton de Blaze, qui est l'évolution juste après, c'est toutes les 1 seconde 5. Je suis mort. Vous avez aussi des grenades qui sont donc à retardement, et Tipounes GG. Ah, c'est bon, deuxième, c'est déjà bien. Ouais. Des grenades qui explosent à retardement. Et une canne à pêche, un grappin qui vous permet de vous rattraper quand vous tombez dans le vide, à condition de viser les blocs de quartz. C'est bien ce que je dis, Euroland copie, c'est juste ce que je viens de dire en fait. Donc, c'est pour ça que c'est mon dernier ministre. C'est ça, totalement. Alors, on va juste essayer de faire une autre map, peut-être. Ice Spike ou Paradise. Bee Paradise, c'est la map. Paradise. Ou Nether. Non, on va essayer d'en lancer une. Voilà, Upper Void 23. Et on va s'amuser pendant ce temps. Voilà, on va s'amuser pendant ce temps, sachant que il y a des arènes très grandes là, vous voyez. Oh, il y a Donald! Là, il y a un skin Donald! Ah, oui. Oh, l'enfoiré! Moi, je censure-le! Tiens, ouais, je le censure là, c'est un énorme flou que vous voyez sur l'écran. Non, je rigole. Tu te rends pas compte la masse de travail que ça m'a rajouterait juste pour te contenter avec ton flou. 2 euros. Alors, il y a la map forêt que nous venons de tester. Forêt, Ice Pack, Miss Paradis, Nether. Oh là, c'est bon, c'est réglé. Nether. Non, c'est Miss Paradise pour moi. Miss Paradise, oui. Qui est très très difficile puisqu'elle est déjà pré-trouée. Mais oui, parce qu'en fait. Vous allez voir, puisqu'on va aussi aller faire un petit tour dessus. Ouais, j'ai regardé, c'est une toile d'araignée en fait. C'est ce qu'elle est colorée. Tu viens juste de le remarquer. Non, je viens pas juste de le remarquer, non. C'est bien précisé pour ce que tu fais. Je voulais dire, en fait, au plateau de Bee Paradise, les blocs sont déjà prêts à détruire certains. Oui, c'est ça, yes. Donc, en fait, tu marches dessus, ils sont déjà détruits. Donc, en fait, sur les côtés, là où il y a plein de trous,
Les blocs ne sont pas prêts à être détruits tout de suite, mais certains sont à la moitié de leur cycle détruits. Que les TNT explosent les blocs. Ah ouais, aussi, regardez, quand on met une TNT à côté de soi, elle explose, mais elle peut voler. Ouais. Voilà, en fait, voilà, comme je viens d'en faire la démonstration, mettant une TNT sous les pieds, celle-ci m'a propulsé un petit peu en l'air. Voilà, quoi, avec les effets d'une véritable TNT de repulsion. Au fait, on regarde sa bras, si tu veux venir sur notre serveur, oh, voilà, on te donne l'adresse. Non, là, tu trouves. Et nous, on fait pas YouTube pour l'argent parce que déjà, premièrement, on n'a pas d'argent YouTube. Voilà. Parce qu'on n'a pas d'argent. Bah, quoi, c'est vrai. Bah, oui, j'ai vu. Voilà. De toute façon, ça sert à rien, je crois. Que... Pour, cette... pour une vue tous les deux mois. C'est ça. Voilà, c'est autocritique. Colasix, je lui enverrai un screenshot avec, avec les stats de la chaîne. Il va ah, faire... je les vois, je les vois. Il va se marrer. Je les ai déjà vus. Ah, en fait, on est que nous trois. Non, il y a encore, il y a encore trois ah joueurs. Oui. Ah, il y a encore cinq joueurs. C'est marqué à droite, hein, au fait. Oui, c'est ça. Mais, et il on... mais il y a encore deux autres joueurs. Et on gagne du coins dès que quelqu'un meurt. Voilà, c'est plus comme dans la première version du plugin en bêta où on gagnait aussi. C'était tout le jeu. En farmant. Voilà, en farmant. Surtout qu'en bêta, il y avait un bug sur cette map. Qui faisait ah oui. Que on pouvait se foutre dans un coin de la map et ne pas en bouger. Ouais, mince, je viens de me foirer. Non, mais ça va, ils l'ont réglé assez vite, ça. Ils l'ont réglé assez vite. Ouais. Alors, voyons comment Colasix se débrouille. Ah, il reste plus que Colasix et Tipounet sans jeu. Mais il se jouer entre nous deux. Lequel de là je veux pas dire mais c'est un peu du TNT run, enfin bon il ouais, y a là, eu pire. Là c'est plus que du TNT run. J'ai failli tomber. Lequel de nos deux pro drivers échouera en premier? Non moi, c'est moi. GG. Ah non j'en ai plus. Ah j'ai. Ah il y a un petit bug de grappin que j'ai à voir. Parce que en fait j'ai utilisé mes trois grappins. Je suis tombé, un autre grappin m'est apparu. J'ai essayé de l'utiliser, mais toi, il s'est auto-effaceur. Ah oui, non, mais il y a marqué 0 à côté du grappin. Ouais, non, non, il y avait rien marqué. Oh, ah non, il y a déjà forêt. Ah, on a déjà fait une forêt. On va peut-être tenter de lancer une. Lance une laser ou une bille par une laser. Alors, ok. UV6. UV6. Pour YouTube. Allez, c'est ça. Pour YouTube, faites-le pour YouTube. Pour YouTube. Alors. Cette map elle est assez dure parce qu'en fait, vu que c'est le biome laser, c'est assez gros, c'est assez rouge. Vous voyez, là je joue en luminosité vive, sans gamma bright. C'est assez sombre si en fait. Jouez, si vous... C'est surtout que si vous jouez en luminosité sombre, voilà ce que vous voyez. Autrement dit, attends, vous avez je vais tester. Alors, on y joue en sombre. Défi, on y joue. Une oub. Sur serveur, tu seras renommé une oub. Ouais, et je demanderai à Microsoft qui te rechange ton pseudo en une oub. Microsoft, what? Bah, bon, ouais, j'ai bien l'impression qu'elle va pas se lancer tout de suite. Du coup... Mais il y a quelqu'un, mais bon. On peut toujours dire des conneries. Attends. Oh là là. Regarde. Alors, donc. Criticus. Alors. J'aimerais savoir. Quel est votre avis sur la tête cet épisode a été tourné un ou deux jours après qu'on tourne l'UHC. Du coup, on aimerait savoir ce que vous avez pensé de l'UHC. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Alors, la personne qui est la seule personne... Attends, je vais te dire. La seule personne qui laisse des commentaires sur la chaîne, s'il te plaît, dis-nous comment tu trouves ça. Hein. C'est ça. Il n'y a qu'une personne. Oh, bon, la partie est en train de se lancer. Du coup, on a dit 100 gamma bright. 100 gamma bright. En sombre. Sombre, c'est un défi. Oh, je le fais. Je vais tellement tomber dans le void, c'est obligé. Oh non, il y a R là, M44. Non, mais moi je me suis amélioré en hyper void depuis la bêta. Ah oui, bah en même temps. Je tiens à dire que je possède le plus de victoires entre nous deux. Oui, bah en même temps, toi tu farmes hyper void. Non, j'ai farmé, c'est pas pareil. Ah, tu as farmé, tu ne farmes plus. Je ne farme plus, toi, je suis en retraite. Ah putain! Oh! Il faut pas te chanter! Mais toi, t'as joué à Tipounès,
qui lance une grenade. Non, c'est pas moi, c'est la fille. Enfin, je vois quelqu'un qui lance une grenade, on m'a tiré une TNT sous les pieds, je me mets à voler, je me vois arriver sur la grenade. Ma TNT run. Il y a un roulon qui me poursuit. Mais je suis pas en train de te poursuivre. Il y a une ombre. Qui m'a lancé une TNT. Une ombre. Pour pas raison, il y a un type qui est derrière moi et qui s'est dit, j'aime pas ce type, je vais le faire tomber. C'est ce que je me suis dit la première fois que je t'ai vu. Tire-toi. Ah, hop là. Hop, merci pour le grappin. Et cette map fait le show parce qu'il y a du sable des âmes. Oui, c'est ça, le sable des âmes. Ah oui, le sable des âmes ralentit et c'est un peu ça, il disparaît juste après. Voilà, oui, alors voilà. Autant il y a de la glace sur Ice Peak. Ah non, je commence ça, j'arrive pas à me raccrocher. Ah non, j'ai plus de grenades. Sérieux, t'as plus de grenades? Non, j'ai plus de grappin. Pardon. Ah, statistiques. Statistique, quand tu nous tiens sur toutes les parties Topper Void que j'ai fait, ce qui doit en compter peut-être au moins 500. Ah tiens, on devrait regarder après. Ouais. Je crois qu'on peut pas savoir le nombre de parties. On va chez moi. Salut. Et du coup, il va nous rester plus qu'une Biparadise à faire. Et je vois qu'il y a toujours Tipounes en lice. Alors là, vu que le défi est terminé, je peux. Tipounes, ça se joue entre toi et Earl. Et moi je voudrais. Non, mais je suis morte. Hein. Ah, tu es morte. En fait, c'est juste qu'il y a un type, il est en train de. Oh là. Bilou. Il vient de camper. Oh, c'était si. Regarde, il a le bâton maximum. Ah. En fait, le gars sait même pas si c'est une citrouille ou une pastèque. Bah, c'est. Moi, je trouve que c'est original son skin. J'aime bien. Et du coup, je vais annoncer la statistique depuis. Même il s'appelle Patty Courge. Je vais annoncer la statistique depuis le temps que j'attends de la sortir. Sur toutes les parties de Parvoy que j'ai fait, je n'ai lancé qu'environ 70 grenades. Ah, attends, on va regarder ça. Ouais, on va regarder ça tout de suite. Alors, c'est dans les paramètres. On va comparer nos statistiques. Non, c'est pas dans paramètres, c'est dans la boussole. Ouais. Alors, boussole, statistique. Upper Void, voilà. Sur 50 victoires et au moins 500 parties, 60 grenades lancées, pas plus. Moi, sur 25 victoires, oui, je me suis vraiment. Les gens, Upper Void 14, il y a une Biparadise qui est en train de se lancer. Biparadise. 14. 14. Ah oui. Oh, c'est chaud, c'est mal foutu les panneaux. Ouais, malheureusement, c'est assez mal conçu. Donc, voici la belle toile d'araignée. Et pour la voir, on peut tomber. Et dès qu'on regarde, on voit que c'est une belle toile d'araignée. Sur 126 victoires, j'ai dû tirer plus de 2000 grenades. 2000 grenades? À peu près, je crois. Donc là, vous voyez que Colasic, c'est ce genre de personne qui. qui. Non, c'est pas ça. C'est surtout qui balance des TNT sur des forêts. Qui balance des TNT sur des forêts. C'est aussi très mal foutu parce qu'en fait tu commences toutes les personnes dans ta face, tu vois rien et les blocs. Mec, dans le même genre, on peut citer le TNT Run. Oui, mais encore le TNT. Ouais, mais là. Par contre, je crois que sur cette map, il y a un moyen de triche. Il me semble bien qu'il y a un moyen. C'est de monter sur l'espèce d'a. Bon, ben, ça commence bien pour moi. C'est de monter sur l'espèce d'asticot, enfin de l'arbre d'araignée, je crois. Et puis, enfin, celui où il y a Colasix, là, juste derrière moi. Et puis, enfin, cet asticot, là, si vous voyez. Oh là, je viens de voir Colasix et Tipounes en course, là, à côté de moi. Ouais, mais à la sortie de cette arène, il y avait un asticot carrément sur l'arène. Ah oui. Donc, j'ai bien sûr essayé de monter dessus, mais c'était impossible. D'accord. C'était impossible de monter dessus, mais ils ont quand même monté parce que vu qu'on pouvait voler avec les TNT. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a des endroits sur Ice Pack, sur Nether, où en étant bien casé et bien propulsé par une bonne petite TNT tranquille, on peut tout à fait monter et se loger sur la map. Mais je crois bien que aussi sur Ice Pack, on peut faire la même chose. Hein. Sur Ice Pack aussi. Ouais, parce que forêt maintenant... c'est beaucoup plus dur puisque forêt est beaucoup plus petite et beaucoup plus petite et pour dire que la map résiste assez longtemps.
aux grenades, aux grenades du début. Ah ouais, les fameuses grenades du début classique, s'il reste plus que nous deux et un autre type. On va le défoncer. Should we target him? En mode on le target, on le fait tomber. J'essaye de monter sur les murs, mais ce qui est très difficile, mais je suis quasiment sûr que c'est possible. Colossus, ah, je vois pourquoi le grand-père ne veut pas se mettre? Pourquoi le grand-père ne veut pas se mettre? On a tout le monde est mort. Non, pas moi. Ah bon? En fait, GG, on va tout le monde est mort. On va se faire une toute petite dernière forêt. Une dernière, avec une victoire. Voilà, il nous faut une victoire de quelqu'un. Sinon, bah moi j'ai gagné. Sinon, moi, le réalisateur. Ah oui, c'est. T'as gagné? Bah oui. Oh, je re-regarde. Ah oui, oui, le. Je re-regarderai au le montage. Le high speak, je crois. Je pense que... oui, alors, du coup, on va faire la c'est forêt. Le forêt 21, Upper Void 21. 20. T1. Bah, il y avait une 20. Non, il y a le 21. Upper Void 21. Il y avait le 20. Non. Ah ouais, il y a trop de monde. Bah non, il y a que moi. Mais ouais. Il est où le 21? Ah, il est là. Voilà, Tipounes l'a trouvé. Golasix arrivera-t-il à le trouver parce que la forêt se lance à 3 personnes. Oui, mais le problème c'est que faudrait déjà. T'es où? Ah, t'es là. Faudrait déjà qu'il soit gentil. Ah, Golasix s'est déconnecté, sérieusement? Oui. Non, viens vite, il y a du gens, il y a du. Oui, il y a le Colossix, vite, il y a le. Upper Void 21, il y a encore une place. Yes, GG Colossix. Regarde, il y a encore le canard. Il y a encore le canard. Colossix qui a le temps de se déconnecter, de se reconnecter. J'aurais pu prendre un petit chocolat chaud, mais. Oh, bah, bien sûr. Il a eu... Là, vous ne le voyez pas, mais il a eu le temps d'aller sur iPixel, de se faire un TNT run et de revenir. Non, j'ai eu le temps de me faire un petit Mega Wall, tu vois, pour à peine un petit Mega Wall. Ouais, tu vois, mais on a j'ai bien envie juste de la jouer à la. Je balance des grenades partout. Oh, tout le monde. En fait, c'est un peu illogique d'avoir des grenades au même endroit, vu que t'en as une qui explose et ça fait un trou et toutes les grenades tombent après. Donc là, c'est un peu débile. Non, comment ça, j'arrive pas à me raccrocher? C'est toi. Mais mec, j'arrive à viser des énormes zones de quartz. J'ai perdu la main depuis le temps que j'ai joué. Par contre, au TNT Run, iPixel, ça va. Je suis pas mal bon. Ouais, moi aussi. Enfin, moi, ça dépend parce que après, une fois, je me suis retrouvé à la dernière couche alors qu'il restait quand même les gens. Isabelle, tu peux te foncer dessus. En espérant toi, que le bloc ne tombe pas. Non. Oui, c'est ça. Oh. Ah, Colossix est tombé. Il ne reste plus que Tipounes en vie. Tipounes va-t-elle... Colossix n'est pas tombé. Je crois qu'il reste plus que toi. Je suis tombé deux fois. Tu remontes, il te met sur un bloc. Mais ouais, c'est ça. Il reste Colossix et Tipounes. Bon, bah, bonne chance. Hein. Ah, bah là, ouais. Ah. Ouh, Colossix. Oh, ah. GG. Magnifique. Magnifique. Comment ça campe là? Comment vous en voyez? En tout cas, je sais qu'il me reste deux grappins. Ah, mais comment ça je peux pas me raccrocher? Je vais une victoire. Voilà. Pour la peine, je m'en fiche. Moi, on en refait une. Je veux avoir ma victoire à moi aussi. On a rien à dire, faut savoir ce que c'est. Moi, je veux avoir ma victoire à moi aussi, s'il vous plaît. Sinon, ça vous dirait de lire nos statistiques? On se fait un quoi? Un forêt, un... Comme tu veux, tu t'as fait où tu veux ta victoire. Allez, Upper Void 15, un forêt, comme d'hab. 15 Colossix. La fois, c'est que c'est assez mal foutu, le système. Mais il y a encore Benouze. C'est assez mal foutu, le système de brute, faut ouais. C'est pas mis dans le bon ordre, comme sur iPixel. C'est ça. Même sur iPixel, ouais, c'est plus ça, mais bon. Ouais, c'est ça, iPixel, c'est un système qui a été refait récemment. Et avant, toi, c'était bien, t'avais le 0 à gauche, le 10 à droite. Ouais, c'est ça. Là, t'as le 0 à droite, le 10 à gauche. Voilà, bah, ouais, et t'as le 9, et t'as les 9 et tout qui sont inversés ou qui sont dans des positions très bizarres. Tout sur Roland qui a gagné. Tout sur mon dernier ministre, allez-y, c'est mon dernier ministre. Le silence. Je suis pas le dernier ministre, c'est pas vrai. Si, t'es le dernier ministre. T'es le dernier ministre à être devenu con. What? Eh oui, parce qu'ils sont devenus cons.
quelques heures après. Enfin, quelques heures avant. Donc, j'ai l'idée de te nommer dernier ministre. Non, je ne veux pas. Donc... Ah, vous avez peut-être dû entendre Destro Jones qui passait derrière, faire un petit coucou. Non, il n'y a eu aucun Destro Jones. GG. Il n'y a eu aucun Destro Jones, c'était... C'était Hurolon qui en fait fait la voix de Destro Jones. Oui, parce qu'en fait, Hurolon est ventriloque. Allez, magnifique. Il est ventriloque. Magnifique rattrapage. C'est un ventriloque en même temps, il sait jouer. Attends. Nicolas Six a réussi à se rattraper avant. Je suis pas tombé. C'est pas. Oh la Cola Six. Et la Cola Six. Non. Allez, c'est magnifique les rattrapages de Cola Six. Cola Six, tu te rends compte que tu t'es relevé trois fois d'affilée, mais t'es mort trois fois d'affilée. Ah bah, bien sûr. Hein. Si le bloc disparaît automatiquement sous tes pieds une fois que, t'as la tête en l'air, tu vois rien. Et... Il comprend tout à fait. Que fait-on? Un dernier petit upper void où on se dit au revoir? La faute à victoire. Il me faut ma victoire, ok, bon bah alors dans ce cas-là... Ice Peak 23. Ouais, pourquoi pas un Ice Peak, allez, Ice Peak 23. Alors, t'as les 0 à gauche. Il est à gauche le 23, mec. Ah, je sais, c'est bon, je sais. Allez, on va peut-être réussir à la lancer, là, depuis... Moi, j'aurais mis le 0 tout en haut à gauche, après le 1, le 2. Toi, j'aurais mis en dessous le 4, le 3, le 1, etc. Enfin, toi, le 4, 5, 6, 7, après, etc. J'aurais pas fait 13, 12... Oh non, il y a encore Bézou, là. Benours. D'ailleurs, j'ai mordu le début. Ouais, mais ouais. C'est un Donald. Tu vois, tu passes à la télé, toi. Ouais, mais Benours, c'est un Donald. Tu te rends pas compte? C'est mon ami. Attends, Cola Six a des amis. Attends, c'est extraordinaire. Mais ouais, Cola Six a un con. Alors, dans mes cons, il y a le dernier ministre Euro. C'est pas vrai, je suis pas le dernier ministre. Oh, 18, hey, 19, Euroland, t'es prêt à gagner? 20 personnes. Je suis surtout prêt à farmer pas mal de coins. Hein. Il suffit que j'arrive à survivre à la moitié des personnes. Mais on gagne combien de coins par mort? Moi j'en gagne 9. 3 ouais. Ah je sais pas. Moi j'en gagne 2 fois. Ouais mais moi je suis vieille plus. Vieille plus depuis avant le LA. Oui c'est ça, vieille plus d'avant le LA. Non même quand t'achètes. Quand t'achètes le LA techniquement, on pourrait mettre des double coins sur Pro dans la limite où les double coins sont accessibles du moment que tu peux accéder aux double coins hein, du moment que tu joues deux fois plus. Je me suis fait target, non, c'est pas possible. En fait sur notre serveur tout sera gratuit, il n'y aura pas d'argent réel, enfin pour l'instant hein. Parce qu'après ça sera tourné, on va tout mettre payant, pour des coins ça sera payant. Ouais, c'est ça, hein. Des amis même, ce sera payant. Ça sera payant. Non mais sérieux, non, et en fait, vous pourrez, peut-être pas qu'il sera disponible, peut-être pas dès le premier jour, mais vous pourrez vous acheter un compte VIP à partir des coins que vous gagnerez. Sur le serveur, c'est un modèle totalement... Sur les jeux. Free to play. Voilà, c'est free to play. C'est avec les coins qu'on gagne en fait, voilà. Voilà, c'est ça, il suffit que vous veniez... C'est pas d'argent réel, donc... Il suffit que vous veniez, que... Non, s'il vous plaît, Tipounet, c'est... Moi, je suis mort, alors je vous observe. Fais gaffe, il y a un... Ouais, je sais qu'il y a un type, il me... Tipounet, essaie de le détruire. Il est en train de me target, là, c'est pas possible. Je me fais target. Mais aussi, il y a pas que lui. Je me fais target. Il y a moi aussi qui te target. Voilà. Non, c'est bon, ta victoire, tu n'auras pas, c'est la fin, voilà, donc... Ah ouais, donc ouais sur le serveur. Attends, laisse-moi juste regarder qui est le type. Non. Ça sera comme ça en fait. Non, j'ai joué. Bon bah t'as pas eu ta victoire, non. Pas grave. Targeteur, voilà. Ah bah ouais, hein. Ça c'est le target du rang, mais bon, t'inquiète pas. Attends, je regarde mes statistiques. Et bah du coup on va peut-être... Ah oui tiens, mes statistiques alors. Ah, les statistiques sont revenues.
Voilà. Ah, Vous connaissez j'ai Mais eu non, je rigole, j'ai pas lancé 2000 grenades. Vous connaissez sans doute. Moi j'en ai lancé 173, j'ai eu que 25 victoires. J'en ai pas lancé 2000, hein, je rigole. Vous connaissez sans doute Drone M4, qui est de la team Magic Pro sur iPixel. De la guild Magic Pro sur Alors, iPixel. Vous connaissez parce que c'est le deuxième. Qui est de ma guild aussi. C'est le deuxième de l'Upper Void aussi. Qui est deuxième de l'Upper Void et premier du Dimension, il me semble. Non, deuxième, je crois aussi. Alors, je vais aller voir le Dimension, qui est de l'autre côté, en fait. Je me suis gouré. Alors... Ah tiens Ah non, il est devenu premier. Du Dimensions? Ah oui, il est premier, ouais. Mais il était déjà premier avec du Dimensions. Ah, j'ai bon. Un drone. Il était pendant le deuxième, alors. Drone qui fait... Moi, en dimension, si je regarde mes statistiques, j'ai... Alors, en dimension, victoire 0, kill 0. Moi, victoire... moi, dimensions... Oui. Voilà, pareil que toi. J'y suis tellement pas allé. Oh, moi, ça. Dimension, 8 kills, victoire 1. Ouais. T'as fait une victoire, quand même. Upper Void, bloc cassé, 23 416. 23 000 blocs cassés. Attends. TNT lancé 8041, grenade lancée 673, hein, je suis gré pour les 2000, et victoire 127. T'as quand même beaucoup plus farmé que moi. Tu sais, hein. Voilà, j'arrive plus à voir mes statistiques. Enfin, moi j'ai dit ça, t'as beaucoup plus farmé que moi. Du coup, on va se retrouver au lobby de l'Upper Void. Ouais, bah on est tous le même lobby encore là. Je ne sais pas. Ça m'énerve, je peux non. Non, je ne crois pas, je ne suis pas dans le lobby que vous. C'est lobby 9, moi je suis lobby 9 maintenant. D'accord. Alors, donc, bloc cassé 5643. Dibounas, rejoins-nous, lobby 9. On va se mettre là. On va se mettre là, Colasic, si tu me vois. Je suis le meilleur. Voilà, Tipounes, on est à l'Upper Void au-dessus des panneaux, regarde. Tu nous rejoins? Allez, dépêche-toi. Allez. Oui, donc. Bon, bah, le temps qu'on arrive, on vous dit salut. Voilà, on vous dit salut et on vous retrouve. On vous dit salut, à la prochaine et pour le prochain épisode de Quoi c'est que ça ne peut pas. Voilà. Allez.